Stimir est un programme agile et intégré basé sur l'approche scientifique en termes d'accompagnement des agriculteurs et comprend plusieurs outils, dont les analyses du sol, profil des agriculteurs et les recommandations en engrais, deux laboratoires mobiles qui sillonnent les différentes régions du Maroc pour effectuer des analyses au profit des agriculteurs, des journées de formation sur tout l'itinéraire technique depuis la préparation du sol jusqu'à la récolte. Une équipe d'agronomes experts qui sont déployés dans les différentes provinces et qui sont de nombre de plus de 35 aujourd'hui. On a aussi le dispositif itinérant de Al-Muqtamir qui sillonne les différentes provinces et localités du Maroc. Et aussi un centre, on est en train de développer un centre, on est en train de lancer aussi 2000 plateformes concernant les cultures céréales, légumineuses, maraîchage et olivier. On est en train aussi de développer un centre d'appel qui reçoit les appels des agriculteurs et qui est un point d'attache qui relie les agriculteurs avec les agronomes dans les provinces. On est en train aussi de développer un programme d'accompagnement pour les jeunes fils agriculteurs. On est en train aussi de déployer pour le moment un programme dédié à la femme rurale. Donc l'objectif est de travailler d'une façon permanente et quotidienne avec les agriculteurs pour qu'ils adaptent les bonnes pratiques en agriculture et développer leur agriculture et augmenter leur rendement. Comment le digital il a renforcé un peu vos liens ou comment il a rapproché l'agriculteur de la technologie à OCP? Aujourd'hui, dans le cadre du projet Al-Muqtamir, on a le digital vraiment est au cœur de notre travail parce qu'on a plusieurs outils qu'on a développés dans ce cadre, notamment AgriAgent qui est une application avec laquelle travaillent les agronomes d'une manière quotidienne et qui permettent le suivi et la remontée d'informations d'une manière journalière dans toutes les provinces du Maroc. On a développé aussi une page Facebook qui permet l'interaction avec les agriculteurs. On est en train de préparer une page Instagram et aussi plusieurs outils en cours de développement parce qu'on croit que le digital est l'actualité et tu ne peux pas avancer sans l'adopter.